Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cette vidéo là sur les personnes qui veulent savoir comment j'ai récupéré ma page, parce que je reçois des messages de personnes qui me demandent comment j'ai récupéré ma page et veulent aussi essayer de récupérer leur page. Vraiment désolé, c'est savoir sa page piratée, vraiment c'est un cauchemar. Voilà, c'est un cauchemar. Les personnes qui veulent qu'ils piragent pas les gens, vraiment d'être méchants, franchement c'est pas gentil de faire ça. Les gens qui travaillent assez dur, voilà, pour faire des montages, des vidéos, mettre sur leur page, vous venez conseil le matin et vous piratez leur page. C'est pas gentil, quoi. C'est très méchant de faire ce genre de choses-là. Je sais pas qu'est-ce que vous espérez gagner après. Vous voyez? Je sais pas du tout ce que vous espérez gagner. C'est pas gentil de faire ça aux gens. Anyway. Donc, pour moi, par exemple, moi, ma page, je communiquais avec Facebook directement. Voilà, il faut communiquer avec Facebook directement pour prouver que la page est le tien. Facebook ne te croit même pas, donc c'est vraiment, si tu as pu regrouper ta page, c'est un miracle. Donc, quand ma page a été piratée, d'abord, avant même que ma page ne se pirate, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il voulait que je fasse des promotions de ses articles sur ma page. Je lui ai dit que non, c'est je ne veux pas. Plusieurs personnes m'ont contacté de faire promotion des articles sur ma page, je n'ai pas accepté parce qu'il me dit que... J'ai pas trop envie de faire ça. Ça me prend trop de temps. Et puis après, je n'aurai pas le temps de faire le montage des vidéos. Parce que le montage des vidéos que je fais me prend quand même assez de temps. Je dois vraiment me préoccuper de toutes les articles et tout. Ça va me prendre assez de temps. Et puis, j'aime pas faire les choses que j'ai pas envie de faire. Je préfère faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de faire. Et voilà, win. Whatever, I feel like it. J'aime pas trop quand les gens me donnent des ordres. J'aime pas ça. Je préfère faire ce que je veux faire, quand je veux faire et comme je veux faire. Voilà. Voilà pourquoi, et voilà, c'est ce que je préfère. Donc, chaque fois que les gens me proposent quelque chose, j'ai dit, bon, tu mets, ce que j'écoute, ce que je veux faire, publier, je publie encore, pourtant je ne publie pas. Donc, plusieurs demandes comme ça de personnes qui veulent faire des choses sur ma page, j'ai jamais accepté. Donc, je crois quelques semaines après le corona, déjà à la maison, je ne faisais rien, j'ai dit, bon. Pourquoi pas accepter cette proposition-là? D'abord, que je suis à la maison, j'ai assez de temps, d'accord? Et la personne m'a proposé de l'argent. Elle m'a proposé de l'argent pour que je puisse publier ses articles sur ma page. Donc, il m'a proposé de l'argent. Je lui ai dit, quel genre de truc tu veux que je publie? Il m'a montré les photos, les choses qu'il voulait que je publie. Et je lui ai demandé, bon, comment ça marche? Et les gens qui m'ont dit que pourquoi je lui ai remis mon mot de passe? Je ne lui ai pas remis mon mot de passe, d'accord? Je ne lui ai pas remis mon mot de passe. Je n'ai pas remis mon... Je n'ai rien du tout, en fait. Je n'ai rien donné, en fait. Mais j'ai cliqué sur un lien qui m'a donné, en fait. C'est ce qui s'est passé. J'ai cliqué sur un lien et ils m'ont dit, oh, porte... Je sais que je n'ai pas cliqué sur le lien. J'ai fait un peu d'informatique. J'ai fait un peu de tout, un peu de cuisine, un peu de couture, un peu de sociologie, un peu de psychologie. J'ai fait un peu de tout. Je sais un peu que les choses que tu n'as pas fait. Mais dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, j'ai appris quelque chose. Alhamdoulilah, Rabbi de la nuit, j'ai appris quelque chose. Je vais utiliser ça. Kabrana Loni Chama, quoi. Anyway, donc, j'ai accepté sa proposition. Il m'a envoyé un lien. Et ce lien-là lui a permis d'avoir accès à ma page. Voilà. Moi, je ne savais pas que le lien allait le permettre d'avoir accès à ma page. Sinon, je n'allais jamais accepter. Il m'a dit que le lien allait me permettre d'être connecté sur lui, sa page. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que le lien... Et puis, mon problème à ce moment, c'était quoi? C'est que je ne lisais même pas ce que je faisais. Parce que j'étais en communication avec lui, avec quelqu'un d'autre. Avec ma mère. Ma mère me parlait. Et lui, je lui parlais. Avec lui, je lisais. Quand il m'a dit quelque chose, je lis. Puis, je parle avec ma mère, je lis. J'ai fait un truc de... Une journée, ça ne marchait pas. Normalement, quand tu envoies le lien, tu cliques là-dessus, ça marche. Mais m'envoie le lien, j'ai insisté sur le lien pendant toute une journée, ça ne marchait pas. Moi, il me dit, mais qu'est-ce que c'est pas possible? Insister. Il dit, clique sur le lien. Normalement, c'est facile. Clique sur le lien. Et on pourra vraiment échanger facilement. Tu pourras voir les articles. Tu pourras vraiment la navette entre les pages. Donc, moi, ce que je pensais, c'est que j'allais adhérer à sa page, à lui. Pour que je puisse vraiment faire la navette dans sa page, ma page. C'est-à-dire que, à mon avis, ce que j'ai cru comprendre quand on échangeait entre lui et moi, c'était que c'était pour faciliter, le lien allait faciliter la connexion entre les deux pages, entre sa page et ma page. I don't know what I was thinking, but c'était l'impression que j'ai eue quand on échangeait. Parce que je lui ai dit que bon, les articles que tu veux que je peux me voir, tu me les amènes et moi je mets sur ma page. Je dis non. C'est un peu compliqué de faire ça comme cela. Il faut que je clique sur le lien pour avoir accès. Sur le lien, moi, me permet d'avoir accès à ces choses que je veux que je publie. Et tout ce que j'ai à faire seulement, c'est de publier, de les publier sur ma page.
Anyway, après maintenant, j'ai cliqué, j'ai même, j'ai dit, ah Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Aide-moi, j'ai besoin de faire des dos pour que ça puisse marcher. Donc, j'ai fait des dos pour que la laqueur puisse m'arnaquer. Après, quand je réfléchis, oh my God, j'ai fait des dos là. Anyway, donc après, quand j'ai cliqué sur le lien, Facebook m'a envoyé un email pour me demander si je voulais qu'il ait accès. J'ai même pas bien lu ça. Après, j'allais bien les lire, j'allais relire les emails que j'ai reçus. J'ai dit, mais je donnais accès à cette personne. Je donnais accès à ma page, en fait. Je lui ai donné accès à ma page, sans même le savoir. Donc, j'ai donné accès, j'ai dit, j'ai mis mon mot de passe, j'ai mis tout le tout, puis j'ai dit, oui, c'est parti. Il a eu accès à ma page. Il a eu accès à ma page. D'abord, même, ça n'a pas marché. Il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Il me dit, mais c'est bizarre, moi, ça marche sans problème. Donc après, maintenant, il m'a dit, fais-moi une capture d'écran de ce que tu vois. Il a fait une capture d'écran de ce que je voyais. Ce que je voyais, c'était vraiment pas normal ce que j'ai fait. C'est pour vous expliquer en fait le procédé, comment ça marchait. Donc, il a eu accès à ma page. Dès qu'il a eu accès à ma page, il m'a dit, je reviens. Il est parti. Et mon mec m'a merdé pendant 2 jours. Il m'a merdé tout le temps. Il m'a envoyé des messages chaque 5 secondes pour me demander d'activer, de cliquer sur le lien pour qu'il puisse avoir accès à whatever, I don't know. Mais après, dès qu'il a eu accès, il m'a dit, je reviens. Il n'est plus revenu. Donc, j'étais assise. Ça m'a paru vraiment assez bizarre qu'il ne me parlait plus parce qu'il me parlait pendant assez longtemps. Et un coup, il a disparu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis maintenant allée voir mes messages. Parce que à ce moment, je reçois beaucoup de messages. Maintenant, je reçois un peu moins de messages parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Donc, avant, je recevais beaucoup de messages, numéro de ci, numéro de ça, numéro de ça. Maintenant, je reçois moins de messages. Les messages que je reçois sont quand même assez bien, bien réfléchis, ce qui est bien bon. Merci beaucoup pour ça. Donc, je voulais aller voir, voir mes messages et je vois mon montant vert. Mon montant, Booba, le truc là, le truc de Booba là. Me montre ça, que je peux avoir accès à mes messages. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas accès à mes messages? On dit, non, tu n'as pas accès à tes messages, ce n'est pas possible. C'est parce que j'ai fermé la page, j'ai ouvert la page, j'ai resté à mon computer et j'ai pas assez mes messages. Mais pourquoi j'ai pas assez mes messages? Donc je rentre, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi à ça, mais j'ai vu, je suis allée voir ce qui est admis sur la page. Automatiquement, ça m'a cliqué quoi. J'ai dit, bon, c'est pas possible, je suis plus admis sur ma page. J'ai dit, oh là là, le monsieur vient juste. Je sais pas comment j'ai su, mais j'ai su que il vient juste me faire pirater. Tu vois? Et là, j'essaie maintenant de récupérer ma page. J'allais sur Facebook, j'allais sur YouTube, comment récupérer sa page. J'allais commencer à courir à gauche, à droite. En même temps, mon portable a commencé à sonner de partout. Oh, Moulin, t'as des vidéos pornographiques sur ta page, ta vidéo pornographique. Est-ce que c'est le même moment même? Est-ce que c'est pas le lendemain matin? Et je pense que c'était le lendemain matin parce que quand c'était passé, j'ai essayé toute la nuit, j'ai pas pu récupérer ma page, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'avais essayé encore, ça n'a pas pu marcher. J'ai envoyé un email d'abord à. Quand j'ai regardé sur YouTube, YouTube m'a dit d'envoyer un email à Facebook. Il y a un paramètre sur Facebook là. Donc je vais aller là-bas pour déclarer qu'il y a quelqu'un qui a volé ton travail. Parce que ce que tu fais, les montages que tu fais là, les vidéos que tu penses, c'est ton art. Tu as fait ça avec ton intelligence. Donc c'est quelqu'un qui vole ton travail. Il a comme il y a des milliers. C'est quelqu'un qui pirate ça. Qui voit ça, c'est un piratage. Donc, tu peux déclarer qu'elle a volé quelque chose que tu as fait de toi-même, de ta connaissance. Donc, Internet Property. Comme ça, Internet Property. Je vais aller sur Facebook, tu tapes sur Internet Property. Et maintenant, tu descends, tu vas voir les étapes, il y a des trucs que tu dois faire pour pouvoir contacter Facebook. Je vais aller sur Internet Property. Vous devez faire la même chose. Vous devez aller sur Internet. Ça veut dire l'intelligence. Intellect, c'est en anglais. Donc, Internet Property, tu vas là-bas, il y a des étapes à fournir. Donc, tu lis ce qu'il y a à lire. Si ton computer en français, tu pourras voir les mots en français. Ton computer en anglais, ça sera en anglais. Donc, tu lis et tu mets les informations et tout ce qui s'est passé, tu expliques tout. Moi, j'ai fait ça des 10 fois ou 20 fois comme ça. La réponse a été la même. Désolé, on m'a fait les enquêtes. Je les ai envoyé mon passeport et tout. Et puis, je les ai même envoyé des captures de compte de la conversation que j'ai eue à la personne. Et j'ai aussi montré la preuve comme quoi j'étais admise sur ma page pendant presque 3 ans. Et paf, comme ça, en un jour, c'est un 4. Un coup, la limite de ma page change. Il change tout, il change. Ça ne m'a pas tout fait mal, quoi.
Donc, quand j'ai contacté Facebook, ils m'ont envoyé des emails après, je crois, après 24 heures, ils me répondent. Quand tu contactes Facebook, ça prend 24 heures qu'ils te répondent. Donc, ils me répondent toujours pas. Oh là, il faut prouver, tu appelles des formats priorités. J'ai dit, bah, prouver comment? Prouver quoi? Je t'ai envoyé mon passeport, j'ai envoyé ma carte d'identité, je t'ai envoyé mon nom, je t'ai envoyé les captures d'écran. Prouver quoi? Quand tu veux que je prouve? Ma page était piratée. Donc, il dit non, de prouver que pour la page de Mouna, c'est une page vraiment bien, elle fait rien de mauvais là-bas. On ne comprend pas ce que tu dis. Et ils me disent qu'ils ne comprennent pas ce que moi je suis en train de dire. Il dit non, c'est moi qui suis Mouna et c'est moi que je vous écris. Et c'est ma page qui a été piratée. Je veux que vous m'aidez vraiment à recouper ma page. Et chaque fois que je leur parle gentiment, aidez-moi, ça va nulle part. J'ai commencé maintenant à manger sur mes grands chevaux. Je dis, ben, c'est foutaise. Voilà, j'ai dit, comme ça, mais c'est foutaise, vous vous foutez vraiment de moi. Donc, j'ai commencé à. J'ai envoyé un email, il ne me répond pas. Email, j'ai envoyé un email. Au table là, j'ai prié. Maintenant, je suis allée encore sur YouTube. Et une dame que j'ai vue, elle m'a dit que non, elle, ça n'a pas été piratée aussi. Mais il faut de moi, il faut monter ces grands chevaux. Il faut connaître quelqu'un qui travaille à. Faut connaître quelqu'un qui travaille à Facebook pour t'aider à récupérer ta page. Sinon, c'est qu'est-ce mort, quoi. Ça va pas, ça va pas. Je vais récupérer ta page. Et moi, je connais personne qui travaille à Facebook. Comment je vais faire? Donc, vraiment, j'ai prié. J'ai dit, ah, vraiment, Dieu, je sais que j'ai fait un rêve. Tu as dit que j'ai fait dans le rêve, j'ai donc on a bien quoi, mais j'allais pouvoir vraiment m'en sortir. Donc vraiment, j'ai dit vraiment Dieu, vraiment aide-moi. Il sait que peut-être gagner des secours là quoi. Donc vraiment Dieu, aide-moi pour que vraiment cette situation là puisse se régler. Et surtout même que la personne a commencé à mettre les photos pour le café sur ma base, ça m'a tellement énervé. Je dis, hé, à la seconde là, vraiment, sur moi, je m'approche là. Si ma page là, en tout cas, j'ai fait le don pour ma personne, pas va se mentir, j'ai fait le don pour ma personne, dit, ah Dieu. Voilà ma page là. Je ne peux rien de politique. Je ne publie. J'ai fait moi, j'essaie vraiment de publier les choses que j'ai dit, les gens vraiment qui savent, à mon avis, qui connaissent un peu la région musulmane, qui nous aident nous aider à comprendre la région musulmane. De faire honneur à la région musulmane, de faire honneur au prophète, de faire honneur à notre tradition, à nos coutumes et tout ça. Je ne fais rien de misleading. You know what I'm saying? I don't do anything vraiment haram, mais de mon point de vue, il n'y a rien de haram, il n'y a rien de mouchoukou là-bas. Donc, à ce moment-là, pour que quelqu'un vraiment vienne prendre ce truc que j'ai, qui me tient en cœur, et puis maintenant mettre des choses pornographiques, c'est pas normal que la région musulmane tombe aussi bas. Alors, ce point-là, c'est vraiment à la cour, il ne faut pas laisser cette personne avoir ma page, même pas une seconde de plus. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, même pas, même quoi. Il sait que je vais récupérer ma page, ça c'était sûr que j'allais récupérer ma page, mais le temps que ça prenait, là, pour dire à la cour, je suis tellement fâchée, même pas une minute de plus, je ne veux pas qu'il ait ma page. On dort les cas, quoi. Et quand il m'est passé, j'ai pas eu ma page, je me suis pleuré. Donc, quand j'ai pas, ça, j'ai, et puis j'ai dit aussi que parce que le lendemain matin, c'était Juma. Il dit bon, il dit, quand même, j'ai dit, quand même, j'ai fait comme ma besoin même. Il veut dire, je parle avec Dieu, quoi. Il dit, quand il m'est passé et j'ai pas eu ma page, il dit bon, il commence à faire deal avec Dieu. Il dit bon, Dieu, si c'est Juma, voilà, faut pas que Juma elle est jiggy quoi. Juma quand elle a jiggy, elle m'a pas juste sur le c'est de foutaise quoi. Elle a mis des choses pornographiques, Dieu. Toi, tu vois pas qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, Dieu, tu vois pas ce qu'elle a me fait? Pourquoi tu le laisses faire ça? Pourquoi? Why? Pourquoi tu le laisses faire ça? Mettre des choses pornographiques sur ma page? C'est pas normal. Pourquoi tu le laisses faire ça? Elle me dit, comme ça, pleurer. Donc, mon mari m'a vu pleurer. Mon mari, il s'est commencé à paniquer parce que moi, je pleure pas. Voilà, je pleure pas. Voilà, donc. Il m'a vu pleurer, ça commence à paniquer. Il dit, oh là là, ma femme pleure, elle est vraiment fâchée. Il était vraiment énervé. Donc, après maintenant, je me suis ressaisie. J'ai dit, bon, d'abord, moi, j'aime pas les gens qui s'apitoient sur leur sort. Je déteste ça. Donc, je me suis ressaisie. J'ai dit, bon, tu sais quoi? I'm gonna take care of this nonsense. You know? I'm gonna take care of this. Je suis allée sur YouTube encore. J'ai vu une dame qui dit que tu dois. Comme j'ai réfléchi à la dame qui a dit que tu dois connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un sur Facebook. J'ai dit bon, moi je connais personne qui connaît quelqu'un sur Facebook. Je connais Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va jamais me laisser tomber. Voilà. Cette assurance que j'avais fait ma part à récupérer. Je connais personne sur Facebook, mais je connais quelqu'un qui connaît tout le monde. Que, bon, quelqu'un, je n'ai pas quelqu'un. Je lui ai dit que je connais Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis son ami. J'ai dit Dieu, je suis ton ami, ouais. Si tu ne vas pas venir directement venir prendre me donner là, il faut mettre quelqu'un devant moi qui va prendre pour me donner. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. Donc, je me suis assis sur YouTube, sur Facebook plutôt. Je suis allée sur un chat, live for conversation. Et
si sur mon ordinateur, j'ai commencé à causer avec quelqu'un. La première personne, j'ai commencé à faire des dehors d'abord. Je lui ai dit, bon, voilà, seulement encore là, moi je connais personne là-bas. Il faut que tu connaisses quelqu'un là-bas, la personne va plus t'aider. Moi je connais personne, mais bon, accueille bien mort au moins, vraiment qui a la foi hein, en toi, qui puisse m'aider à recouvrir ma page. Ce n'est pas une histoire de. Oh, j'ai ma page, j'ai fait des millions de dollars sur ma page, je vais la récupérer parce que j'ai l'argent. Non, c'est pas fait d'argent, je n'ai pas l'argent sur Facebook. Mais les vidéos que je publie aident certaines personnes, mais c'est une personne par un, une personne chaque 5, 5, 5, 10 ans, au moins ça aide au moins une personne. Sur ma page, j'ai déjà aidé une personne à ce moment-là. Aide-moi pour que je puisse la récupérer, pour que je puisse aider au moins une personne par un. On voit beaucoup de personnes parce que nous, par exemple, on t'a fait la blague. Donc, au moins. Une personne par an, c'est pas mauvais, you know? Donc, on doit que, voilà, que ben, bon, bref, vraiment, que Dieu m'aide à trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider à la récupérer. Je suis assise sur mon ordinateur. Je suis assise sur mon ordinateur. Je dis, ah, oh, bébé, l'aïe, mina, chaïe, quand on aura jeune, mais c'est une laïe, wa, man, wa, hi, puis il dit, mon soli, Allah, ma soli, Allah, Seyyidina Muhammadin, wa, la, Ali, Seyyidina Muhammadin. Il dit, mon soli, en tout cas, j'ai fait des invocations vraiment pour qu'il y ait vraiment des anges autour de moi.